La FIDOP, Fondation ivoirienne pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie, a un nouveau siège situé à la Riviera Triangle. Il a été présenté au public le vendredi 21 octobre 2022, journée commémorative des droits de l'homme en Afrique, en présence de l'ex-première dame Simone-Yves Gbagbo et du ministre Kwadwo Konan-Bertin de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. L'occasion a été mise à profit pour présenter le bureau de la Fondation. Le docteur Gervais Boga-Sako a profité, comme à son accoutumée, de cette tribune pour se prononcer sur les fondements de son engagement pour les droits de l'homme, ensuite ce que représente le siège pour la FIDOP, et enfin le militant des droits de l'homme a eu quelques mots pour ses donateurs. Pour lui, les droits de l'homme ont un fondement divin. Quand on a beaucoup étudié, on n'aime plus parler de Dieu parce qu'on considère que Dieu, c'est de l'aléatoire, c'est pas scientifiquement démontrable, donc un intellectuel ne devrait pas parler de Dieu. Ça, vraiment, je suis désolé, mais quand on a fait la philosophie, il y avait des philosophes athées, et puis il y avait des philosophes qui croyaient en Dieu. Et moi, je fais partie des intellectuels qui croient en Dieu. Prenons l'exemple du droit à la vie. C'est Dieu qui donne la vie. Qui es-tu, ministre, président, pour m'arracher la vie? Qui es-tu, policier, pour m'arracher la vie? Voilà le principe. Je suis un homme créé par Dieu. Aucun homme sur terre n'a pas le droit de me prendre ma vie. C'est pour cela que les militants des droits de l'homme ne sont pas d'accord avec la peine de mort. Si vous voulez quelqu'un à tuer, condamnez-le à une peine que vous voulez. Mais ne lui arrachez pas la vie, parce que vous n'êtes pas auteur de la vie. Madame Simone-Yves Gbagbo s'est sentie quant à elle honorée à travers cette invitation. Elle est revenue sur les actions majeures qu'elle et ses camarades ont posées en faveur des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, avant de féliciter le docteur Boga-Sako pour le travail abattu. Et il est important que quand on est un citoyen dans son pays, qu'on se préoccupe de la manière dont les libertés sont gérées dans le pays, de la manière dont les droits des citoyens sont gérés dans le pays. Le nouveau bureau exécutif nous a été présenté et je voudrais féliciter les membres et vous dire que c'est maintenant que le vrai travail va commencer pour vous. Que Dieu vous soutienne, qu'il vous fortifie, parce que travailler pour les droits de l'homme, ce n'est pas quelque chose d'aisé, ce n'est pas quelque chose de facile. Et donc, vraiment que Dieu vous fortifie. Se doter d'un siège revêt un sens très profond. Une organisation qui veut s'enraciner, une organisation, vous l'avez déjà un petit peu dit, qui veut même être respectée, est une organisation qui doit impérativement se doter d'un siège. Quant à Kwadwo Konan-Bertin, il a dit apporter le soutien du gouvernement avant d'appeler les uns et les autres à l'esprit de réconciliation. Bon, ben, tu vois, je suis venu simplement pour dire à tout le monde, ce soir, j'ai regardé ma montre parce que je prends l'avion tout de suite. Je vais à Paris spécialement pour m'asseoir avec Kagi Séli, avec Serge Kassi et les autres, je reviens lundi. Parce que c'est une foi et c'est un engagement. Je ne me fie pas aux critiques. Je veux qu'on me juge aux résultats. Mon père m'a enseigné une chose. Et je le dis à Charles. Quand tu vois quelqu'un qui est habillé en blanc, il a sapé en blanc, et puis il voit des belles femmes, il est sapé en blanc. Et puis tu le vois patauger dans la boue. Tu es fou, toi tu crois qu'il est fou. Mais laisse-le sortir de là. Et il te dira pourquoi. Même en blanc, il est dans la boue. Il faut que ce soit clair. On n'a qu'un seul pays. Tant qu'il est en désordre, nous qui sommes assis ici, on ne peut pas prospérer. Madame Gbagbo, elle a eu tout ce qu'elle voulait dans la vie, elle s'est battue pour son pays. Elle a réalisé presque tous ses rêves. Gbagbo a eu ce qu'il voulait, Bedi a eu ce qu'il voulait, Alassane a eu ce qu'il voulait. Si la Côte d'Ivoire brûle aujourd'hui, ce n'est pas à eux qu'on fait du tort. C'est à nous là qu'on fait du tort, nous-mêmes.
on va du tort. Le docteur Boga Sako donne ici ses impressions après la cérémonie. Ah, cette cérémonie représente beaucoup pour nous. Beaucoup. Parce qu'en même temps, ça chasse un souvenir du passé. Et puis, ça annonce un renouveau. Le passé, c'était qu'on avait un siège qui se logeait à Atoban avant la crise de 2010-2011. Et après, ce siège a été détruit à cause de la situation de crise. Le président même est allé en exil, il est revenu. Et Dieu merci, aujourd'hui, il inaugure un nouveau bâtiment, un nouveau siège. C'est nouveau. Et qui plus est, la date du 21 octobre coïncide avec la commémoration de la journée africaine des droits de l'homme. Donc c'est un grand jour et je suis heureux pour la FIDOP, pour tous mes collaborateurs qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans le monde. Et je voudrais vraiment dire que pour nous, Africains, c'est extrêmement important que de militer pour les droits de l'homme. Créée le 1er avril 2009, la FIDOP est une institution de la société civile. Elle est non étatique et non confessionnelle, apolitique et indépendante.